Deuxièmement, savoir donner la nourriture au temps. Et troisièmement, savoir mobiliser les moyens pour le progrès de l'œuvre. Pasteur là-bas. Amen, pasteur. Amen. Ça va être disponible pour la bannière. Il va au plus à ma terre au SNL. Nathan au SNL. Puis il va mobiliser ma mort. Qu'on mobilise ma moyen pour vous saler que des gens. Qui passe derrière moi? Yes. Si qu'on y a un salaire. Alléluia. Amen. Des fois nous sommes dans autre chose. Nous sommes dans beaucoup de choses sauf dans ce qui est essentiel. Pasteur, pour nous, ça fait un mois de bureau. Au jour où il y a un babandi, nous en avons des fonds. Très important. Bureau Zanini, moi qui t'y n'a mis ça. Pour nous, quand la bureau est milaine, il a été. Ah oui, moi qui t'y n'a mis ça. C'est ça le bureau. Banana Nouana. Parce que nous avons un rendez-vous là-bas. Tu n'as pas le temps de les écouter, tu les exposes. Surtout dans ces temps d'histoire, c'est grave. C'est très très grave. Et troisième axe de leur mission, c'est l'équipement. Parce que nous sommes négligés pour équiper les gens. Et finalement, on va produire un ministère parce que la mentalité, on va outil dans le pays. Donc, nous sommes là. C'est une casse-tête de travailler avec des gens qui ne sont pas formés. Et ça m'a fait ma casse pour ça, prenez le temps d'équiper. Soit ta modé à la qui ça va. Très important. Et ça vous touille. Et l'homme souffre sur l'élite et son courage. Au béni mouninga yébi, à déya. Et qu'il soit le long de pasteur. Amen. Yon doit profiter. Très bien. On a le bien mis en place là. Amen. Prenez le courage. C'est ça la complémentarité. Et à moi, là, qu'on souffre. Mais ce n'est pas bien mieux que vous avez dit, pas mon inga. Parce que moi, je suis un peu plus de temps. Ah oui. Je ne suis pas bien, mais je suis un peu plus de temps. C'est pas trop bon. Et troisièmement, c'est envoyer. Après avoir gagné, soigné, équipé, nous devons maintenant les envoyer. La mission. Penser à la mission. Et la mission. Ceux qui se lancent à la mission sont dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat au rythme de la mission. Mon frère, ma soeur, cher pasteur, passons à la mission de l'évangélisation. Dans l'église, au moins, un centre évangélique, mais sans programme d'évangélisation. Vraiment. Pasteur, est-ce que l'église nous va faire une semaine entre nous? Ah, bah, nous avons un Dieu, on a un vermissement. Mais il y a un évanouissement, ça. Amen. Ah oui. Moi, depuis un certain temps, j'ai pris la résolution de travailler comme mon frère des assemblées de Dieu. Ça fait trois mois, ça fait trois ans. Tu vas au calme, ça, le bol après les assemblées de Dieu. Baptême d'eau, affermissement, école des membres, école du ministère. Solité, conseil d'assemblée. Moutou et Pépé. Ça, c'est une petite expérience que je partage avec vous. Amen, pasteur. C'est très, très important. Alors, pour terminer, l'église de ce temps de la fin a besoin de hommes. Parce que l'église, c'est une maison qui bâtit les vies. Qui construit les vies. C'est comme le dit souvent mon frère docteur Silas, il dit quand on part à l'université pour 5 ans, on sort licencié. Donc dans une église, après 5 ans, et c'est que tout le monde a dit il y a point A à qui la point B. Amen. Amen, pasteur. Amen. Et ça va être dit ma femme dit ça n'a pas mort. Quel travail que Dieu est en train de faire dans leur vie. Vous savez, nous sommes là. L'église, c'est comme une station d'essence où les gens viennent s'approvisionner pour aller impacter au monde. C'est très important, pasteur. L'heure est grave. Nous devons bâtir les vies. Il a dit,
Christ. C'est une maison où un fou de Gadara peut devenir missionnaire qui apporte les réveils. L'église, c'est cette maison où la Samaritaine idolâtre peut devenir missionnaire qui va aller boucher toute la ville. Voici l'époux, celui qui m'a dit tout ce que je fais et allez à sa rencontre. C'est ça produire les fruits qui demeurent. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Alors les hommes doivent savoir ceci, c'est par là que je termine. Lorsqu'ils se lèveront, c'est pas tout le monde qui sera d'accord avec eux. Mais tu dois persévérer. Attends, j'entends quelqu'un dire amen. Amen. Oh, écoutez-moi. Lorsque tu te lèveras, tu n'auras pas l'approbation de tout le monde. Mais compte sur ce Dieu qui t'a envoyé. Accroche-toi au mandat. Reste fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il te soutiendra. Même si tu ne vois pas quelqu'un à tes côtés, il est là. Celui qui t'a appelé, il n'abandonne pas. Dans l'exercice de ton ministère, tu auras des temps difficiles. Les hommes s'élèveront. Les esprits s'élèveront. Parce que tu as accompli les mandats. Si les temps sont durs, tu ressens des larmes. Pleure. Mais après avoir pleuré, n'abandonne pas. Je dis n'abandonne pas. Je dis n'abandonne pas. Parce que bientôt, ta récompense sera grande. Sous-titrage Société Radio-Canada.